Je m'appelle Philippe, je suis né à Nîmes et j'ai grandi à Marseille. Donc je salue toutes les personnes de ces régions, hein, les Gardois et les Marseillais. Je dois me présenter. En me présenter, c'est dire que j'ai, je pense, conservé mon âme d'enfant. D'ailleurs, j'ai une phrase qui me vient souvent en tête. Qui conserve son âme d'enfant ne vieillit jamais. Alors il y a plein de choses que j'aime dans la vie. Hein. J'aime la convivialité, j'aime la communication, j'aime finalement être gentil, être bon avec les autres. Ce qui m'est renvoyé aussi souvent, hein, lorsque l'on envoie des ondes positives, eh bien on reçoit de la même façon des ondes positives. Et donc c'est un moteur de ma vie que d'être effectivement en communication. J'aime la musique, j'aime évidemment la littérature, je compose pas mal de textes de chansons, bon, j'écris des romans évidemment, et j'aime aussi, comment dirais-je, passer des soirées entre amis, faire la teuf, comme on dit, entre potes, cuisiner, hein, aussi, c'est une de mes passions. D'ailleurs, la cuisine est un des rares endroits où je peux rester des heures sans m'ennuyer. Voilà, hein, bah, parce que quand on cuisine, on offre sa créativité ou sa création culinaire aux autres. Voilà. Alors, je suis peut-être pas un grand chef, mais enfin, je me débrouille un petit peu dans ce domaine-là. Voilà, c'est sympa de vous parler, d'espérer vous séduire aussi, parce que j'aime que les gens m'aiment, donc c'est pas une forme d'égotisme stendhalien, c'est l'envie d'être pas reconnu, parce que ça, la reconnaissance, la gloire, on s'en fout finalement, hein. Comme disait Shakespeare, la gloire est comme un cercle dans l'onde qui va s'élargissant jusqu'à ce qu'à force de s'étendre, ils finissent par disparaître. Donc je recherche pas du tout ça, ce que je veux, c'est l'amour des autres, et moi, donner mon amour aux autres.